connaisseurs, c'est Dracomix. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture de. Une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. On est toujours sur la série de La Voix du Maître, enfin sortie depuis le temps qu'on attendait cette série incroyable. Souvenez-vous, précédemment, je vous ai publié la vidéo du coffret de Rosemary et nous avions eu cette magnifique pioche de Krakos et conserve douteuse, sans oublier les petites holographiques et l'énergie fée en reverse complètement dézinguée, avec le petit point là en haut et toutes les rayures au milieu, enfin, bref, et les deux promotionnels de Morpeko et d'Angoliath V. Voilà, le petit récap est fait de la première vidéo, je vais pas le faire non plus à chaque vidéo, sauf s'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, on va s'ouvrir ces deux coffrets de l'arène de Granbury, donc avec les petits badges qui sont juste là et le magnifique blanc coton en holographique qui est juste ici. Je ne vais pas vous lire le dos puisque le texte est beaucoup trop long. Si vous voulez vous le lire, regardez. Hop, je fais un petit focus, je laisse quelques secondes et mettez pause. Si vous voulez lire le texte en intégralité, juste, je vais vous dire, il y a une carte brillante de blanc coton, un pins, 3 boosters et une carte à code du JCC. Voilà, allez, c'est parti, sans plus attendre, on va déballer ça. J'avais hâte de pouvoir vous ouvrir les coffrets avec les badges, puisque vous savez que je suis un fan des badges en pins en fait. Et par contre, le carton est vraiment pas du tout solide à l'intérieur. Comparé à d'autres, aux anciens coffrets où il y a vraiment du renforcement à l'arrière, là franchement c'est vraiment rien du tout. Enfin bref, donc je disais que j'adore collectionner les badges. Vous savez que j'ai déjà dans ma collection les badges de Kanto et de Johto en intégralité dans un coffret. Donc là, je vais pouvoir me mettre à collectionner des badges de Galar. Voilà, parfait. Alors, du coup, le petit blanc coton, les 3 boosters. Voilà, tac. La carte à code, elle est pour vous, c'est cadeau. Hop, tac. Voilà, on va faire pareil ici. Et on va découvrir le petit badge, le blanc coton. Hop, tac, que je mets de côté. Les deux petits badges, ici. Les 3 boosters là, le petit code, il est ici pour vous, hop là, tac, ça c'est fait. Alors, tac, tac, 6 boosters du coup, parfait, on va remettre ça par dessus, et ça aussi, voilà, voilà. Alors les petits badges ils sont ici, donc des badges feuilles en fait, hein, en pins. Tac, je vous montre un recto et un verso. Et bien sûr, il fallait que j'en fasse tomber un. Voilà. Tac. Du coup, je vais essayer de me trouver un petit boîtier, une petite mousse, et je vais poser les badges un par un. Et une fois que j'aurai les 8, eh bien, je vous les montrerai ensemble. Allez. Du coup, aujourd'hui, 6 boosters à s'ouvrir. Donc, on a un garde-voix, un charmy, 2 charmy. Et bien on a encore les 4 illustrations comme dans la première vidéo. Et on va les, on va changer de sens. J'avais commencé par Gardevoir et fini par Charmy. Du coup, on va faire l'inverse. Voilà. Tac, juste vite fait, on va mettre sous pochette les deux petits blancs coton qui sont juste là. Voilà. Hop. Et hop là. Tac. Parfait, donc les deux petits blancs coton ils sont juste ici. Parfait, on va les mettre sur le côté. Et 6 boosters, du coup c'est parti, let's go. Et on commence avec le premier booster, le petit code il est juste là. C'est cadeau, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, et c'est parti. Avec chaque ripan, une Pokéball, un Sepia Top,
Zigzaton de Galar, Miamiasme, Une énergie acier, Chapeautu, ok, Percy, Super Bowl, en reverse Sepiatop, et on attaque avec une première holographique qui n'est que Scolossandre. Voilà, allez. Donc on va le mettre juste là sur le côté. Allez, deuxième booster de Charmini. Hop, et c'est parti. Le petit code est pour vous. Hop, et voilà. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouais, c'est ça. Et on commence avec une petite potion. Rocabo, Aspico, Tilton, Coconfort, Énergie Feu, Sepiatros, Charpedo, Arbok, Machoc, et juste derrière, Macogneur. Ok, qu'on avait déjà eu dans la première vidéo. Magnifique illustration d'Arbok et Charpedo aussi, j'aime bien. J'adore ces deux petites illustrations. Allez, on continue avec donc le booster de Torgamore cette fois-ci. Allez, tac. Et donc c'est le troisième booster, donc on sera arrivé à la moitié de la vidéo. Et c'est parti, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, Aspico, Zigzaton de Galar, Rocabo, Total Soin, Bagiguan, Une Énergie Psy, Peterson, Sbire de la Team Yel, Nabil, en reverse Charby, et juste deux derrière. Oh zut, un Krakos V qu'on a déjà eu. Bon, ça reste une full art, mais... Ah mince, j'aurais préféré en avoir une autre quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, ça va ici. Allez, quatrième booster les amis du coup. Ah là 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 là, quel dommage. Allez, tac, allez, il ne veut pas s'ouvrir. Et c'est parti, le petit code, tac, et 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop là, allez. Et Carvana, avec des magnifiques nuages et des éclairs juste derrière. Incroyable illustration, j'adore. Franchement, ça fait super stylé. Tilton, Goopix à nouveau, Miamiasme. On va vite avoir fait le tour hein, des communes et des peu communes. Énergie Ténèbres, Nabil, Dardarnian, Chapeautu, Machopper en reverse et Gardevoir V. Génial! Et donc une nouvelle qu'on n'avait pas encore vue. Magnifique, en tout cas. Elle est incroyable, celle-ci. Ok, allez, on passe à la suite. Avant, dernier booster, les amis. Allez, ouvre-toi, mon ami. Hop, et c'est parti. Hop là, et 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et let's go avec une Pokéball, Gripat, Zigzaton de Galar, Bagiguan, Rocabo, Énergie électrique, Nabil, Dardarnian, Motismart, Goopix en reverse et ouh, Ixon de Galar en holographique. Ok. Allez, le dernier booster, les amis. Ça serait bien d'avoir un ratio à 50-50 avec 3 holos et 3 belles cartes rares. Qui sait? Allez. En sachant que Gardevoir nous a porté chance sur le premier booster de la première vidéo. Donc peut-être que. Ou peut-être que pas. Qui sait? Allez, on a envie de savoir ça dans quelques secondes. Et on attaque avec Abo, Aspico, Linéon de Galar, Bagiguan, Charby. Une énergie acier, Charpedo, conserve douteuse qu'on avait eu en gold dans la première partie. Bah, clairement, je préfère l'illustration de la gold, elle est carrément plus stylée. Enfin, bref. Donc, conserve douteuse, dame du centre Pokémon, Charby en reverse, et on terminera ouah, avec un Duralgon V. Génial. Et en plus, je ne m'y attendais pas. Du coup...
très très bon ratio pour ces deux petits coffrets de la reine de Granbury avec donc une full art qu'on avait déjà, mais c'est pas grave, hein, ça reste une full art. Et deux nouvelles V, Gardevoir et Duralgon. Et aussi deux nouvelles Zolo qu'on n'avait pas vues lors de la première vidéo. Avec Ixon et Scolossandre. Voilà. Du coup, on va se laisser là-dessus, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!